Il ne m'a pas appris l'anglais. Il ne m'a pas appris l'allemand. Ni même le français correctement. Elle ne m'a pas parlé des livres, de l'histoire des idées. Pas de politique à suivre, pas de mouvement de pensée. Elle ne m'a rien montré de pratique, ni cuisine, ni couture. Faire monter une mayonnaise, monter une SARL, tenir un intérieur. Il ne connaissait pas grand chose en mathématiques, ni équations de Schrödinger. Mais pour être honnête, on a veillé à ce que je perfectionne mon revers à deux mains. Que je fléchisse bien sur mes jambes. Mais ça n'est pas resté, ça n'est pas rentré. On m'a donné un modèle libéral, démocratique. On m'a donné un certain dégoût, disons, désintérêt de la religion. Mais il ne m'a pas dit à quoi servait le piano, ni le cinéma français qui pourtant le faisait vivre. Elle ne m'a pas dit comment il s'était marié, trompé, séparé, ni donné d'autres modèles à suivre. On m'a pas parlé de Marx, rival de Tocqueville, ni Weber, ennemi de Lukács, mais on m'a dit qu'il fallait voter. Elle n'a pas caché l'existence, mais a-tu celle de Rousseau, de Proust, de Mort à crédit. Ils n'ont fait aucun commentaire sur mes 68, ni commentaire sur la société du spectacle. Mais il savait que Balzac était plié à la ligne, qu'on pouvait en tirer un certain mépris. Il ne connaissait pas d'histoire de résistance ou de Gestapo, mais quelques arnaques pour payer moins d'impôts. Il se souvenait en souriant de la carte du PC de leur père, mais peu de De Gaulle, une blague sur Pétain, rien sur Hitler. Ils avaient connu le monde sans télévision, mais n'en disaient rien. Ils n'avaient pas voulu que je regarde Apocalypse Now, mais je pouvais lire Au cœur des ténèbres. Je ne l'ai pas lu, on m'a pas dit que c'était bien. On m'a pas dit comment faire avec les filles, comment faire avec l'argent, comment faire avec les morts. Il fallait trouver comment vivre avec demi-frère, demi-sœur, demi-mort, demi-compagne, maîtresse et remariée, alcoolique, pas français. Fils de gauche, tu milites, milites, fils de droite, hérite, profite. On ne m'a pas donné de coups, on m'a sans doute aimé beaucoup. Il n'y avait pas de choses à faire, à part peut-être polytechnicien. Il n'y avait pas de choses à ne pas faire, à part peut-être musicien. Elle m'a fait sentir que la drogue était trop dangereuse. Il m'a dit que la cigarette était trop chère. Elle m'a dit qu'une fois, elle avait été amoureuse. Elle ne m'a pas dit si ça avait été de mon père. Elle ne m'a pas dit comment faire quand on se sent seul. Il ne m'a pas dit qu'entre vieux amis, souvent on s'engueule. On s'embrouille, que tout se brouille, se complique, qu'il faudrait faire sans. Elle ne m'a rien dit sur Freud et j'ignore Lacan. Pas de conseils ni de raisons pratiques, pas de sagesse des familles, pas d'histoire pour faire dormir les enfants, pas d'histoire pour faire rêver les grands. Il ne soufflait mot de la nouvelle vague ni de ce qu'on voyait avant, mais parlait du Louvre comme d'un truc intéressant. On disait rien sur Michel Sardou, mais on devait aimer Julien Clerc, on m'a parlé d'un concert. Sinon je ne sais rien des pauvres, je ne sais rien des restes d'aristocrates, je ne sais rien des gauchistes, je ne sais rien des nouveaux riches. On ne parlait pas de cathos, ni de juifs, ni d'arabes. Il n'y avait pas de chinois. Elle trouvait que les noirs sentaient, elle n'aimait pas les odeurs. Lui s'en foutait.